compris. 3, 2, 1, allez, on est parti. Bon, et maintenant le vrai compte à rebours. Allez, on est parti. Bon, allez, 3, 2, 1, go. Ouais, on est parti. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour Baguette saison 4. Aujourd'hui, on se retrouve pour un. Pour une saison en équipe de 4 avec pas de scénario particulier, ce sera du Vanilla Plus avec évidemment la Golden Baguette. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vanilla Plus? Ça veut dire que en gros on aura une game avec pas vraiment de scénario marquant, pas vraiment de changement énorme par rapport au Vanilla. Juste quelques petits changements comme le taux de pommes, le taux de flint, etc. Sinon au niveau du déroulement de la game, on est aussi en bookshelf, donc il n'y aura pas de bibliothèque. Sinon au niveau du déroulement de la game, donc c'est une map de 2500 par 2500. La réduction de bordure commencera à 90 minutes et durera 20 minutes, donc ce sera milieu d'épisode d'épisode 5 jusqu'à au milieu d'épisode 6. Le PVP sera on à 20 minutes, les golden heads sont on et régènent 4 coeurs, l'absorption est off, les chevaux sont off, les dégâts d'underpearl sont désactivés. Sinon pour les règles de minage, c'est classique, UHCFR edit, enfin voilà. Le nether est activé, les potions de force de level 2 sont désactivées, les potions de force de level 1 sont activées et sont nerfées à 60% de leur valeur. Et l'XP du quartz est nerfé. Sinon pour la golden baguette, pour expliquer rapidement, avec un pain et 4 d'or, vous pouvez crafter une golden baguette qui vous donnera un effet random et vous régénérera un cœur. L'effet, ça peut être 15 secondes de soit strength, speed, résistance ou fire résistance et invisibilité 30 secondes. Voilà. Donc maintenant on va peut-être passer à la présentation des équipes, même si j'ai l'impression que pendant mon intro tout le monde s'est de nouveau séparé. On a l'équipe de Nautilus et Pollux, c'est vrai, il n'y a pas de Fire Aspect, enfin comme la saison dernière, et le poison est en règle gentleman, on le vire. Voilà, bon du coup Dez, Shadoon, Nautilus et Pollux, voilà, c'est la première team. Sinon après on a Nimbo, Izok, Daiko et Flouz, Nems, Skyheart, Étoile et Xari. La team Twitch. On a The Gamer Cool, Gep, Nanox et le quatrième que je vois pas, c'est plutôt cool. Eskinez qui a dû aller la team FK, part, regarde, il est pas là. Il est pas là. On a Pib, Pitou. Ah bravo, on a récupéré H24, c'est salaud. La présentation, je vais galérer encore plus avec la prochaine équipe. C'est juste que comme c'est un donator, voilà, j'oublie un peu parfois. Et après on a on a mon équipe Mini, alors je la connais heureusement, Mini Show, Luluka et Nadou, voilà. Donc petit nouveau Nadou et petit nouveau je crois que c'est tout. Toz. Ouais, Toz, pas vraiment, il a joué. Non, mais c'est surtout. Voilà, on se retrouve. Voilà, Skinnez. Bon, voilà. On s'en fout. Ah, il y a Skinnez aussi, oui, mais Skinnez, je m'en branle, il s'est barré. Attends. Non, je suis là. Ouais, menteur. Ouais, bah repars. En plus, je suis tout nu. Putain, mais... Bon, maintenant tu vas passer un 3ème mur. Ok. Ah, bah, du coup, on a fait l'intro. On est prêt, du coup. Ah oui, on a fait l'intro. Bienvenue, hein. Ok. Ouais. Bon, bah. Naren, d'ailleurs. T'as mis des coups d'assaille. T'as mis des coups d'assaille. On est prêt, je crois, non. Oh là, tu Et voilà, bonjour, on se trouve pour Baguette saison 4 épisode 1 avec Gamur, Nanox et Skinnez ici. Minecraft. Voilà, sucre, Gap. Bonjour. Voilà. Tu as entendu? Voilà, c'est pas c'est parti. Dirigé direct dessus. Bienvenue mais sur le point de vue du dernier survivant du monde. Désert. Ce qu'il faut savoir c'est que on est la team gagnante. La team gagnante dans l'idée. On paraît combien qu'il y en a deux d'entre nous qui vont mourir au deuxième épisode. Je suis pas du tout pessimiste, hein, mais. Mais non. Bah, j'espère que ça sera vous, Lanox et Skinner. J'ai envie de pas mourir. Et j'ai envie que Gamur soit le seul survivant s'il y en a qu'un seul, parce que c'est le meilleur. PvP, XD. Ah, merci, Gamur. Non, mais Lanox, si tu veux faire, tu peux faire un V1 coup de Gamur et on verra ce qui se passe. Lanox. Non, mais c'est pas le PvP qui compte en UHC, les gars.
C'est la stratégie. C'est. Non. Voilà, ça c'est ma stratégie, tu vois. Ma stratégie c'est attaquer, mais. Les dégâts sont activés, donc arrêtez maintenant de perdre de la vie, d'accord ? Pardon. Alors on va voir qui va. Ok, qui parie sur. Team Parker, je regarde. Qui va prendre les premiers dégâts, honnêtement. Est-ce que je foncerai pas dans ce cactus pour les stats ? Allez, yep. Non. Allez, gars, fais-le. Je creuse dans la terre, je tombe. Bon, bah écoute, je viens de transformer de la cage en sucre. C'est la première fois que ça m'arrive. Bravo. Pourquoi t'as. Yes. En face, hein. Ça veut bien jouer ça. Bah au moins on pourra faire des potions de speed, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Bon, on va pas aller dans le Nether, mais je veux dire, pourquoi pas quoi. Ouais, bon, il y a Nems qui va y aller aussi, c'est sûr. Ouais, mais il y a pas de QS, donc non, non, mais il va y aller pour la force. Ouais, non, mais je sais pas. Sûrement, ouais. Sûrement. Alors, du coup, quand on regarde les teams. Un temple. Oui. On peut voir personne d'autre gagner à part nous en fait. Bah, on a de Filios, celle de Shadow, celle de Figano, ou celle de Skyheart, ou celle de Daiko. On va pas partir trop confiant au skill, hein. Oui, des nuls, oui, oui, bien sûr. Bon, j'ai un temple. Mais quoi ? Ok, bon, t'as des temples toutes les games, ça c'est. Ah, la dernière fois qu'on avait que j'ai génération en 1.7. Ah, d'accord. Oh non, y'a déjà un squelette dans le temple, tu te fous de ma gueule. Pas de soucis. Ah, bah au pire, tu peux faire des plantations en attendant. Y'a déjà deux squelettes dans le temple. Comment je me débrouille avec ça ? Bah, tu les tues. Mais t'as pas fait tes outils ? Mais non, vu que je suis en train d'explorer le désert. Ah, mais j'arrive, tu sais quoi tes coordonnées ? Mais c'est quoi ce jeu ? Ah oui, donc on peut s'envoyer des coordonnées en faisant slash SC. Ouais. Ou TL, je crois que TL ça marche. Ouais, slash TL aussi ça marche. Attends, mais. Attends, mais tu t'es barré où, Gep ? Mais j'explore le désert. Je suis un gros chatard de pommes. Tu fais les pommes ? Ok. Combien, là ? Ouais, j'en ai pas encore. Je viens de commencer. C'est Nanox, il en attend un peu trop. Pardon. En fait, y'a pas beaucoup d'arbres. Non, mais y a pas de soucis. Un couton. Bon, tu sors et je vais l'explorer, Gap. Non, je vais l'explorer, mec. Mais tu vas prendre des dégâts. Vu que c'est quand même ma première fois sur Baguette. J'ai un arbre à côté. Alors, en fait, Baguette, c'est comme KTP, sauf que les gens sont plus forts. Mais pas plus forts que moi, quoi, donc ça va. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il est meilleur que toi, de toute façon, skill. Hein. Enfin, t'as le skill dans ton pseudo, tu vois, c'est. Moi, je suis une très bonne mascotte. Je pousse. En plus, c'est un hacker, on remember la série. Ouais, regardez, je vais activer exprès là. Sale con, va. Oups. Mauvais compte. J'ai changé mon compte Minecraft. Alors, oui, donc sinon, oui, vous allez vous voir, parce que bon, comme bon, ça fait un moment que je l'utilise, mon skill, où je suis tout nu là, comme ça là. Comment, voilà. Non, comme ça, voilà. Et ben en fait, c'est Seyal qui me l'a fait. Classique. Et donc du coup, je lui ai dit, tu as carte blanche, tout ce que je veux, c'est un costard par-dessus. Et du coup, il m'a dit, bah ok, je te fais un zizi quand t'enlèves ton pantalon. Et du coup, je l'ai fait, et voilà. Ah, sympa. Et du coup, j'ai un zizi et des fesses, des petites fesses bien potelées. C'est très représentatif. Normalement, je suis chat. T'es dans le temple, là, Gap ? Ouais, je suis en train, j'ai des outils. Cool. Et dis-moi que t'as trouvé un stack de diamants. Je préférerais un livre Power 4 perso. Ah, il peut y avoir des livres dans les temples ? Non. Ouais, tu peux avoir Flame et tout, ouais. Ah. Mais gamer, ça sert à rien, je suis dans. Non, mais mec, ils veulent pas mon temple. Récupère. C'est ma fame. Il vous a explosé, c'est pas très drôle quand même. Tu vas mourir par les mobs. Hé, hey, j'explore moi. Je vais me suicider, mec. T'es tellement une mauvaise personne. Bon, alors les gars, il y avait 16 d'or, non, 16 de fer et 4 d'or, voilà. Mais je te déteste, mec, je te déteste, tu mérites pas de vivre. Non, 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 non. Putain, t'as failli me faire suffoquer avec des sables, sérieux. Je déteste. Mais ça va, c'est qu'un temple. Tu me donnes de la cobble, tu me donnes des trucs, vas-y, donne-moi du fer. J'ai pas de fer. Ah si, j'en ai 16, tiens. Et la moitié de mon or, tiens. Pour parler en général, faut utiliser l'astérix. Ah oui, c'est vrai. Faire un truc drôle. Je te conseille de pas bouffer. Ah, c'est bon. Ah, je vais plus sprint. Y'a les chevaux ou pas? Parce qu'il y en a pou, hein. Genre oui. Vraiment. Enfin, y'a des chevaux, quoi. Mais... Ouais, sinon, on prend merci, ride. Merci. Ah, de rien, GapMC. JTM. Bon, j'ai eu une pomme, du coup. Bon, moi, je vais cave, salut.
T'es sûr? Putain, les chevaux ils drop pas de. De cuir. Bon, c'était un des pires temples de. Voilà, mais c'est pas grave. 4 d'or et 16 fer, quoi, c'est pas ouf. Eh, c'est une idée, honnêtement. Tu veux être fait dans des LAFS? Non, mais good luck pour faire l'intro, quoi. Ça doit changer à chaque fois, mec. Ah, parce que c'est un scénario particulier. Parce que moi, ce que j'entendais par cross team, c'est genre il reste deux personnes dans le solo, voilà. Mais contre quatre personnes ensemble, quoi. Oui, mais enfin, si tu fais une intro, faut que tu la changes à chaque fois. Parce que ça veut dire que les teams vont tout le temps changer, quoi. Ah, j'ai volé une pomme de Toz. Tu fais comme. Oh, GG. Ou alors, tu fais comme pour IP. Salaud! Merde, c'est étoile. Bon, bah, j'espère en tout cas que mes viewers, vous êtes contents de me retrouver sur YouTube, parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu, sauf pour la vidéo où je bouffe un œuf cru, mais bon, c'est autre chose. Et puis, je vous propose le cassage de troncs d'arbres. Bon allez, je vais vous proposer un truc plus intéressant. Par contre, les gars, on a des plumes. J'en ai 3. Cool. On va dire que c'est le... Toujours pour avoir volé mon temple, hein. Non mais mec, c'est un temple, c'est bon, c'est pas grave. Si, c'est le temple. Le temple. Bah ouais, t'as eu quoi dedans? Rien. Bah, 4 d'or et 16 sphères. Bah oui, enfin, y a rien eu dedans non plus, donc ce serait pas mal deg. Bah y a eu peut-être un livre 4. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est toi qui... Non, ça change rien. Mais non, ça change rien, celui qui... Les coffres se répiolent, les coffres se génèrent lorsque... Mais non. On les ouvre. Ah, ça y est, les pommes commencent à venir. Non, moi j'en ai 2. Ah, j'ai pas pris la TNT, t'as pris la TNT? Eh ben non, merci, bravo. Bon bah je vais retourner. Bah va chercher la TNT. Mais ça sert à quoi la TNT? À Blast Mine. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai tellement pas l'habitude de trouver des temples parce que j'ai expliqué. Ah, moi je pensais qu'on pouvait s'en servir pour faire des gros traps. Aussi. Je suis pas tenté. Bah non, mais t'imagines, tu t'emmènes un mec pour qu'il te poursuive. Là, paf, t'es tombé dans un. Mais c'est très peu efficace. Oh, ça peut marcher, mais. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu mets du. Ouais, genre une trappe avec du sable et ouais. Nice, oh putain. Ça drop bien, apparemment. Il y avait pas de mob quand t'es entré? Non. Mais what the fuck? Ils ont du deep up, je pense. Et par contre, j'ai plein de bois. Nice. Qu'est-ce que je voulais faire déjà en plus? J'ai plein de bois. Alors, déjà, oui, je voulais faire ça. Non, il y a Isaac face de moi. Moi j'ai volé une pomme de tasse d'affaires, c'était sympa. Le Nether fonctionne moindre mal. Ok, déçu. Putain, j'ai failli se faire exprès et puis Isoc. Oh non, j'ai mal écrit, comme un petit pied. Bon, je pense que je vais me limiter à 7-8 pommes. Ouais, ça suffira. Ouais, large. C'est un jeu plus nerf que la génération de base type 1.8. Ah, c'est la même que la saison 3? Ouais. Oh non! T'aimes pas? Bah, sachant que j'avais eu. Sachant que j'avais eu 4 d'or et. Non, 4, 6 d'or et 4 diamants. J'ai pas eu de chance, mec, j'ai eu de quoi faire genre 7 gapples legit. J'ai rien eu du tout. Moi aussi, gamer, j'ai eu 4 diamants, je crois. Oui, mais Nanox, moi je. Ouais, ça augmente les chances d'avoir des ressources, I guess. Mais Nanox, moi je t'ai vu dans la saison 3, en haut d'une montagne non enchante, parce que je pense que t'étais. Mais je pense que t'étais le seul mec non enchante avec moi, non? Oui, c'était ça, ouais. Oui, bah je t'ai vu, en haut d'une montagne. Et puis je voulais qu'on se fight, tu sais, parce que je me suis dit ça peut faire un beau fight, non enchante et tout. T'avais pas vu alors? Non, tu m'avais pas vu. Et je t'ai perdu de vue à la seconde où je t'ai eu en fait. Oh, parce que ça aurait pu être un fight. Intense. Ouais. Chacun volait des pommateuses. Bon, je suis sympa, j'ai pas pris ce qu'il y avait dans ces fours parce que c'est pas très ferme, mais j'ai seulement piqué les pommes qui étaient par là. Putain, il fait déjà nuit. Merde. Ouais, déjà bon, bah les gars. Ah, moi aussi je suis dans la merde finalement. Moi j'en ai 5, ça suffira je pense pour le moment. J'en ai 2, mais c'est celle de Toz. Ça me Après, c'est vrai qu'il y a l'espèce d'or limiteur là de la. Donc, ouais, par contre, skill, t'es meilleur à l'épée ou à l'arc? À l'arc. Alors, à l'arc, ouais, quand même. À l'arc, ok. Ouais, moi aussi. On va dire que Gap aussi.
On va dire que Nanox aussi. Cool. On n'a pas de plumes. C'est un léger problème. Donc c'est dire que je suis bon à l'épée. Ah ouais, merde. Si tu veux, je compte pour du beurre. Le beurre, c'est important. Oui, c'est vrai que c'est très bon. Oh, un squelette. Moi, je vais m'enterrer avec deux pommes, I guess. Puis c'est une place importante. Les gars, ça vous dérange si je m'enterre que trois pommes? Tu t'enterres. Bah, moi, je m'enterre avec 5, ça passe. Je m'enterre que 3 pommes. Mais j'ai pas de charbon. Ah, oui. Moi, je suis un connard qui fait pas d'épée en pierre. Bon, bah, du coup, pensez à prendre des. À tuer tous les squelettes pour les flèches, quoi. Ouais, mais ouais. Pensez aussi à faire gaffe. Alors, t'as toujours aucun. Okay, hein, tout le monde est. Oh, encore des potes, c'est pas mal. Vous enterrez où en fait? Là. Ouais, je suis pas très loin, j'essaie d'aller un peu vers Gamer pour pas. Ah, bah, je suis proche de. Ouais, je vais essayer de m'éloigner un peu plus de skill pour pas qu'on tombe dans la même caverne. Vous deux qui tombez dans la même caverne que dans la caverne d'autres gens, quoi. Oui. Ah, 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 ne sois pas le first damage, s'il te plaît. Non, non, non. Pas mal. Oh non, 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 non. Non, 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 oh putain. Ok, j'ai cru que le squelette allait me shoot. Ouf. Calmez-vous, les mecs. Oh, il y a Flouz et Isaac qui viennent. Oh, Flouz. Ah, Flouz 70. Il vient de perdre 5h30 x 2 deux fois. Ça va, t'es plus le. Ça va. J'ai un spawner de zombies. Nice. Ah, nice. Bah, ouais, fais gaffe. De quoi? J'ai rien entendu, tout le monde a parlé en même temps. Attends, j'ai dit c'est juste qu'il y a masse de mobs sûrement. Ouais, sûrement. Non, c'est juste qu'il y avait masse zombies. Ok, bah classique UHCFR hein, de toute façon. Ouais, mais je pensais que tu vois, ça commençait à faire vraiment, il venait à la chaîne quoi. Et... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Oh, on a dit où? Bon, je précise, le cœur que j'ai pris, c'est un squelette qui était embusqué, je suis tombé nez à nez avec lui en fait. Et non, je dois en prendre plus. Il faut le rush hein, dans ce cas-là. Oui, bah non, mais c'est. Il m'a plus surpris qu'autre chose, je m'y attendais pas du tout. Il faisait pas de bruit, il y avait rien eu. Ouais, mais c'est. Non, je m'enterre là. C'est pas. Une cinquantaine de fer, je pense. Je sais pas combien j'en suis, mais je fais quoi. Ah non, non, 40. Nice. Ouais, oh, c'est large. C'est bizarre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai autant de fer. Ouais. Mais j'ai pas vu un seul charbon. Enfin, à part là-bas, là, mais. Ah. Bah, c'est pas bizarre, GapMC. Pourquoi ce serait bizarre d'avoir du fer? Je sais pas, mais tu prends tout ton fer, ça m'étonne. Attends, j'ai pas pris un cœur pour rien. Ouais. Oh, encore une pomme, yes. Ah, t'es encore à la surface? Ouais, vu que je me suis rendu compte que j'allais m'enterrer avec cette planche, donc j'ai essayé de couper les arbres. Ah oui. Ouais, du coup, fais gaffe aux mobs, quoi. Ouais, t'inquiète, j'ai vu qu'un creeper au loin. Je coupe mes arbres en mode. J'ai peur. Caméra. Oh, un zombie. C'est dommage que, enfin, un vanilla plus dans baguette. Bah, c'est bien. Ouais. Ouais. Ah non, c'est la saison 2, il était infâme. C'était fun, mais infâme. C'était quoi? Tu peux voir, celle d'Agnosis, ouais. What the fuck? Tu sais pas ce que c'est? Qui est pas ça, Skinez? Non, je sais pas, c'est dans mon inventaire, ça, c'était Bagdad. Ah. Ah. Ces deux arbres et je m'enterre. PP dans 5 minutes. Déjà? Putain! Et oui, ça passe très vite quand on s'amuse. Ah bah là, on s'éclate. Je crois qu'il y avait une règle qui disait genre éviter le PP à l'épisode 2. Non, je pense que ouais, c'est une gentleman rule quoi, comme avec les poisons. Alors, ça dépend si on se fight en 0-0, ok, mais. Genre, si on... Bon, pour le poison, les gars, on est d'accord. Ça, on... C'est juste inutile. On s'en fout de la gentleman rule, hein, on les craft les poisons. Les poisons. Bien sûr. Et on fait des fire aspects aussi. Bah oui. Ouais. Oui. En gros, faut que tu ouais, tu remontes Ouais, OK. Ah bon, on va se faire une épée quand même. J'ai deux fer mais c'est pas grave. Moi, je vais déjà commencer à roller coaster, c'est pas bon ça. Ouais, moi aussi, j'ai toujours pas de putain. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je team avec Nanox, on a jamais de caverne.
Ouais, putain. Ça fait plus chier qu'autre chose, quoi. Là, je t'avoue que je le sens pas, je la sens pas cette saison au niveau Kaling en tout cas. Moi, je la sens pas au niveau de tout. Vous dites ça à cause de moi ? Non, 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 non. C'est le seul truc individuel. Tout de suite. Le mec qui se sent trop en dessous. J'ai passé une mauvaise journée. Tu dis ça à cause de moi, c'est ça ? Un squelette pas loin et y'a pas une cinquième pomme qui veut drop. Non mais gap, descend là. Voilà, j'en ai 5, allez salut, je vais m'enterrer. 56 torches, faites pour ça. Allez hop, on va commencer à roller coaster. Bah écoute, moi c'est pareil. C'est quoi vos coordonnées au fait? Là. Oh, un squelette. Moi je suis pas loin de Skinnaz. Oh, j'ai dû lui échapper de justesse. Bon, fuck le fer, je dois m'enfuir. C'est pas plus mal en fait qu'on soit pas si loin que ça. Au cas où, c'est. Ouais, en plus on est pas non plus juste à côté. C'est ça, c'est le parfait quoi. Voilà. La perfection. Il y a des teams pas très loin. Oui, il y a Toz. Non, Toz il est loin. Personne, il est vers le temple. Bah, y'a qui d'autre là? Moi j'ai juste vu Toz. Il y a Zog passé, mais je crois qu'il venait de l'endroit opposé donc ça devrait passer. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on va devoir. De toute façon, je pense qu'on va devoir mêler. Non, je crois pas. K-Fight dans Baguette. I don't remember. À part toi qui voulais K-Fight CX dans la saison 1. Ouais, mais ma pioche a cassé quoi, fuck. Oh, pas qu'un Oh, Emerald, yes. Nice. Ah, mais c'est vrai, faut torcher. Ah, bah là, ouais. Différence sur UHFR. Diamant épisode 1. Ok, tu me lances le défi, je vais run ma cave, ok. Y'a un poulpe dans l'eau là. Ouais, c'est genre. Oh, un spawner. Ah bah il est mort. Spawner à. Je le casse, il y a un squelette, même si on pourrait fermer les flèches, j'ai pas envie de mourir. Et dans le coffre, y'a des fils. Par contre, je trouve une méga cave là et genre. Y'a pas un mob dedans. T'as dû faire. Ah, j'ai pas de pelle étant donné que j'ai pas fait mes outils de façon. Habituelle. Il reste dans 2 minutes, c'est l'épisode 2. Yep, j'ai toujours trouvé du diamant avant l'épisode 2. Je sais pas, il y a un H quelque part. Après, je t'avouerai que. Alors, du coup, pour ceux qui sont. Putain, à chaque fois. Qui ne connaissent pas le staircase c'est on mine en fait en escalier. C'est-à-dire, on ne mine pas tout droit pour chercher des cavernes à la couche du diamant. Enfin, c'est à partir de la couche 32, normalement. Ouais, parce qu'il y a de l'or, ce couche-là. Ouais, voilà. Et du coup, donc pour chercher des cavernes, il faut faire des staircases, donc des cases d'escalier. du coup, ici, il n'y a rien. Je vais torcher, parce que sinon, il va y avoir des cases d'escalier. C'était quoi? Traction la plus foireuse du monde. Ça m'a entendu. Ouais, les chaînes vieilles marques, top budget, qui essaie de traduire. Bah, sinon, pour mes viewers, mon pack, c'est le MGD WoW en vert. Ah, moi, c'est le MGD WoW en bleu. Voilà. Ah, moi, c'est le Dante. C'est ça, tu joues avec le Dante? J'ai pas beaucoup de bouffe. Ouais. T'en as combien? Je l'aime bien aussi, mais je l'ai pas utilisé pour baguette parce que. Y'a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien. Skill. Moi j'ai la flemme, je suis en tryhard. C'est good. Nice. Bon, je fais des wolves dégueulasses. Du coup, ouais, Flouz qui est assez bon en PE d'habitude, il est à 70. Bah, baguette dernier, il a fini très. Enfin, l'autre très tôt. En plus, c'est le même squelette qui a le même cœur déjà. Oh, Daiko a crash. Bon, du coup, je suis sorti de ma cave, j'avais fait le tour. Didi. Ah. De la lave. Putain, j'ai rien. Vu, squelette, arrête. Bon, je vais mettre full fer, allez, c'est parti. Putain, Skill, j'ai l'impression que c'est le seul qui a du fun dans le cave. Enfin, il a une cave quoi. Non, justement, je suis ressorti. Ah, t'es sorti? Ah, ok. J'ai fini ma cave et bon, bah voilà. Bouffe, en fait. On se retrouve dans l'épisode prochain. Ouais, salut. Non, non, non.